Bonjour, bienvenue sur la chaîne Top Math. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on calcule la différence entre deux entiers écrits en binaire. Pour cela, on pose la soustraction en alignant les deux nombres sur le chiffre des unités à droite. Et on commence le calcul par la droite. On ne peut pas effectuer le calcul 0 moins 1. Je vais donc écrire un 1 devant le 0 des unités sur le premier nombre, ainsi qu'un 1 au niveau du chiffre suivant sur le deuxième nombre. Maintenant, l'opération sur les unités est 2 moins 1, ce qui donne 1. Et ainsi, on reporte 1 au niveau du chiffre des unités du résultat. On passe au chiffre suivant. Il faudrait calculer 1 moins 1 moins 1. On est encore coincé, et on va procéder comme avant. J'accole donc un 1 sur le deuxième chiffre du nombre du haut, ainsi qu'un autre 1 au niveau du troisième chiffre du nombre du bas. L'opération sur le deuxième chiffre est donc maintenant 3 moins 1 moins 1. Je vous rappelle qu'en binaire, le nombre qui s'écrit 1, 1 vaut 3. On obtient ainsi 1 comme second chiffre du résultat, car 3 moins 1 moins 1 égale 1. On passe donc au troisième chiffre. L'opération à effectuer est 1 moins 0 moins 1, ce qui donne 0. Le troisième chiffre du résultat est donc 0. On passe au quatrième chiffre. 1 moins 1 égale à 0, donc le quatrième chiffre du résultat est 0. On passe au cinquième chiffre. 0 moins 0 égale à 0, donc le cinquième chiffre du résultat est 0. On passe au sixième chiffre. 1 moins 1 égale à 0, donc le sixième chiffre du résultat est 0. Et enfin le septième chiffre, 1 moins 0 est égal à 1, donc 1 est le septième chiffre du résultat. Voilà, notre soustraction est terminée. J'espère que cet exemple vous suffira pour comprendre comment on effectue une soustraction en binaire. À bientôt sur la chaîne Top Math.